On compte malheureusement des deux côtés, du côté israélien et du côté palestinien, les morts. Encore aujourd'hui, deuxième semaine de ce conflit qui a repris de la vigueur. Reportage et ensuite, nous parlions à Daniel Lévy, le consulat général d'Israël à Montréal, et à Rouba Ghazal, députée de Québec solidaire d'origine palestinienne. Reportage d'abord. Israël continue de mener ses frappes dans la bande de Gaza, semant la mort et la destruction. Ce restaurant a été bombardé, tout comme cette usine où l'on fabriquait des éponges. Des routes sont éventrées dans des quartiers densément peuplés. Les bombardements ont été incessants la nuit dernière, raconte ce résident. Au moins 200 Palestiniens sont morts depuis que le conflit a éclaté lundi dernier. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, se dit prêt à un cessez-le-feu si Israël suspend ses attaques. Nous demandons à la communauté internationale d'intervenir pour mettre fin à l'agression, déclare le premier ministre palestinien. Mais de son côté, Israël indique que son intervention militaire se poursuivra aussi longtemps que nécessaire pour rétablir le calme dans son territoire. L'État hébreu a reçu plus de 3000 roquettes palestiniennes qui ont fait 10 morts. Il ne compte pas baisser les bras. Nous allons continuer de frapper les cibles terroristes, dit Benjamin Netanyahou. Au lendemain d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies qui a échoué à rapprocher les deux camps, Washington leur demande de mettre fin aux hostilités, tout en réitérant que son allié Israël a le droit de se défendre contre les attaques terroristes. Israel has the right to defend itself. Le secrétaire d'État américain a réclamé des éclaircissements sur le bombardement de l'immeuble qui abritait la chaîne Al Jazeera et l'agence de presse américaine Associated Press. Israël a justifié cette frappe en disant que le Hamas y menait des activités de renseignement, mais aucune preuve concrète n'a été donnée. Je n'ai pas reçu d'informations additionnelles, dit Anthony Blinken. Les États-Unis affirment qu'ils poursuivent leurs efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit, qui ne montre aucun signe d'apaisement pour le moment. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal. On parlera donc à la députée Rouba Ghazal d'origine palestinienne dans une seconde, mais avec nous en ligne, en direct, David Lévy, consul général d'Israël à Montréal. Monsieur Lévy, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Roy. Monsieur Lévy, est-ce qu'il y a des appels à la désescalade depuis une semaine? Israël dit et continue à dire, votre premier ministre, on va continuer et avec toute la robustesse possible jusqu'à temps que... Jusqu'à quelle limite, justement? Combien de morts devra-t-on compter? Monsieur Roy, comme vous voyez, depuis lundi dernier, les organisations terroristes islamistes qui contrôlent le Gaza continue à tirer des missiles vers les centres de population civile en Israël. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il faut arrêter ces attaques et il faut complètement détruire la capacité militaire du Hamas. Mais qu'est-ce que ça veut dire détruire la capacité militaire du Hamas? Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Nous ne sommes pas prêts à continuer à vivre comme ça. Ça fait déjà 20 ans que les organisations terroristes tirent des missiles de Gaza vers les centres de population civile en Israël. On ne peut pas donner Hamas les clés au calme dans la région. Il faut arrêter Hamas, il faut détruire sa infrastructure militaire qu'ils ont construite dans le banc de Gaza. Vous venez de parler d'un tunnel qui coûte 7 milliards de dollars. Dans le banc de Gaza, il y a une infrastructure de tunnels pour la machine de guerre de Hamas, de dizaines de kilomètres. Vous pouvez imaginer combien d'argent le Hamas vient de dépenser sur cette infrastructure, sur des missiles iraniens qu'il lance vers l'État d'Israël. Mais, M. Lévy, en fin de semaine, par exemple, la tour qui abritait la télévision Al Jazeera a été la cible. Et votre premier ministre a dit que c'était même une cible légitime. Dans ce que vous appelez le recours à la force nécessaire parce que vous êtes attaqué par le Hamas, vous faites des victimes innocentes, vous faites
une tour qui abrite des journalistes. Est-ce que vraiment on est rendu là? Dans le tour, il n'y avait aucun blessé, aucun mort. La réalité est que le Hamas se cache derrière des journalistes, derrière les médecins, derrière les enfants et derrière les femmes. Il commet un crime de guerre double, parce que chaque missile qu'il tire vers l'État d'Israël, c'est un crime de guerre, mais en même temps, il utilise les citoyens palestiniens comme bouclier humain. Tout ça a été relancé suite à une tension à Jérusalem-Est où il y a une famille de Palestiniens, des familles de Palestiniens qui étaient menacées, qui sont menacées d'expulsion par des colons israéliens. Et là, on n'a pas le temps de tout refaire l'histoire de ce conflit-là qui, malheureusement, renaît régulièrement. Mais dans quelle mesure, tant qu'il n'y aura pas de solution, le statu quo va amener une tension grandissante sur le terrain en Israël? On voit des heurts dans des villes israéliennes entre des Arabes, des citoyens arabes et des citoyens israéliens, les manifestations près de la mosquée à Jérusalem-Est. Ce pourrissement-là, comment y faire face, d'après vous? Vous savez, d'abord, il y a des disputes civiles sur les propriétés. Il y en a à Montréal, il y en a au monde entier. Dans ce cas-là, il y a quelques locataires qui refusent de payer leur loyer. Donc, c'est un cas civil. L'État d'Israël n'est pas côté de ce procès. Et je n'arrive pas à comprendre comment on peut justifier une guerre régionale à cause de quatre locataires qui refusent de payer le loyer. Et en plus, et c'est vrai qu'en Israël, il y a des jours avec des tensions. Mais vous savez, chaque pays a parfois des périodes de tensions. Même l'année dernière, aux États-Unis, même ici à Montréal, il y a 50 ans, il y avait des tensions. Ça, c'est le vrai test d'une démocratie et je suis sûr que la démocratie israélienne va gagner. Oui, mais M. Lévy, en terminant, on a l'impression que, et d'ailleurs, la colonisation se poursuit par les colons juifs. On a l'impression, puis on peut peut-être revoir la carte, que tant que vous aurez tout le territoire et que ça sera totalement assuré et qu'on aura chassé les Palestiniens, bien, il n'y aura pas dans votre esprit de paix. Je voudrais vous rappeler qu'Israël a quitté le banc de Gaza entièrement en 2005. C'est le Hamas qui contrôle le banc de Gaza et malheureusement, ils ont détruit toute leur infrastructure là-bas. Et la vie là-bas, c'est vraiment l'enfer. Et malheureusement, l'autorité palestinienne, qui est complètement corrompue, refuse toujours à négocier avec l'État d'Israël et arriver à un accord de paix compréhensif. Je peux vous assurer que le peuple en Israël et le gouvernement d'Israël est tout à fait prêt à résumer et renouveler le processus de paix et rentrer à la salle de négociation et arriver à un accord de paix compréhensif. Avec deux États. Pour le moment, il y a un État palestinien au banc de Gaza, il y a un quasi-État palestinien. Nous soutenons la solution deux États. Malheureusement, c'est la Palestinienne qui refuse d'accepter l'existence de l'État d'Israël. En même temps, je voudrais vous dire qu'il y a le corps de paix avec l'Égypte, avec la Jordanie, avec les Émirats, avec Bahreïn, avec Soudan, avec le Maroc. Et je suis sûr que nous verrons bientôt d'autres pays arabes qui vont joindre ce processus de rapprochement avec l'État d'Israël, parce que les grandes menaces de la région, ce n'est pas Israël, c'est l'Iran. D'accord. Et à court terme... Au Liban, en Syrie, en Irak et au banc de Gaza. À très court terme, M. Lévy, donc il n'y aura pas de cessez-le-feu dans les prochaines heures, votre compréhension, tant qu'il y aura une roquette, tant que des roquettes seront lancées vers Israël. Au court terme... il faut arrêter les missiles. Au moyen terme, il faut trouver un mécanisme comment démanteler cette organisation terroriste djihadiste qui contrôle le banc de Gaza parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et au long terme, il faut rentrer en négociation, arriver à accord de paix, compréhensif. Très bien. On verra si de notre vivant, on aura devant nous un vrai accord de paix. Daniel Lévy, David Lévy, consulat général d'Israël à Montréal. Merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé. Beaucoup.
Est-ce que Mme Ghazal est là? Rouba Ghazal est avec nous, députée de Mercier de Québec solidaire. Merci d'être avec nous. D'origine palestinienne, merci. Vous êtes née à Beyrouth, Mme Ghazal. Où vous en êtes dans l'analyse de ce qui se passe? Vous avez entendu, vous entendez régulièrement l'argument des gens d'Israël en disant « on se fait attaquer ». Le Hamas est une organisation terroriste, on n'arrive pas à cohabiter. Alors, où vous en êtes dans ce qui se passe, là? Écoutez, moi, ce qui m'importe le plus, comme beaucoup de Québécois, comme beaucoup de gens dans le monde, c'est que le drame humain qu'on voit devant nous arrête. Que des enfants, c'est les corps des décès jusqu'à maintenant. On sait que demain, on va se réveiller, puis il va y avoir d'autres morts, d'autres blessés et des gens marqués à vie. C'est un drame humain qui se déroule devant nos yeux et n'importe qui a un cœur à la bonne place veut que ça arrête. Et au-delà de la géopolitique, au-delà de l'histoire qui dure depuis très, très longtemps, qui est aussi l'histoire de ma famille. Moi, ma famille a été réfugiée en 1948. Mes grands-parents, ils ont vécu au Liban comme réfugiés. Aujourd'hui, moi, je me retrouve ici, mais cette histoire-là est extrêmement marquante. C'est sûr que moi, elle va me marquer particulièrement parce que je suis d'origine palestinienne. Mais c'est un drame humain et c'est à ce niveau-là qu'il faut le ramener parce que la situation politique, essayer de la résoudre, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. En même temps, ça donne des munitions, puis c'est le cas de le dire à Israël, quand le Hamas tire des roquettes vers Israël. Et vous l'avez dit d'ailleurs, vous n'êtes pas d'accord avec la stratégie du Hamas qui attaque Israël. Je ne serai jamais d'accord, peu importe d'où ça vient, avec la stratégie de la violence. Jamais. Et le Hamas... Et tous les représentants des Palestiniens, l'autorité et tout ça, ne servent pas leur population. Ils ne les servent pas. Il y a même eu des... On ne peut même pas dire que c'est leurs élus. Il n'y a même pas eu d'élections qui ont été annulées depuis 15 ans, même en Cisjordanie. Donc, vu que les populations civiles, et même aussi en Israël, les populations civiles ont le droit de vivre en paix, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc, ce n'est pas en se frappant soit des roquettes ou des missiles. On est capable de compter les roquettes du Hamas, mais on est incapable de compter tout ce que l'aviation aérienne ou tout ce que l'Israël lance sur Gaza parce que c'est des dizaines de fois plus et ça fait beaucoup plus de dommages. Donc, il faut que la communauté internationale cesse de faire juste des balbutiements du bout des lèvres en disant « il faudrait peut-être arrêter ». Il faut qu'il y ait des sanctions et moi, je suis... La population, moi j'ai été à une manifestation samedi et les gens manifestaient de façon pacifique en disant on veut que nos populations fassent pression sur Israël et il n'y a pas d'autre moyen de le faire pour qu'elle arrête parce que c'est ces frappes qui causent le plus de violence. Bien, il n'y a pas d'autre moyen qu'en, pas en envoyer des communiqués, en mettant en place des sanctions, ne pas leur vendre d'armes, etc. Il y a une campagne internationale qui existe en ce moment, il faudrait que le Canada l'appuie. BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, comme on l'a fait en Afrique du Sud pour ça, arrêter cette vis-à-vis Israël. Ça, c'est vis-à-vis Israël et vis-à-vis le morcellement de l'autorité politique militaire des Palestiniens, vis-à-vis des agissements du Hamas. On fait quoi? Parce que pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait deux parties, là. Oui. Puis là, en ce moment, les deux parties, l'autre partie palestinienne, les politiciens, comme je vous dis, ils servent pas très bien leur peuple, ils ne s'entendent pas, ils sont en chicane, eux aussi. Donc là, on est face à une situation où c'est une impasse. Si on fait rien et on fait juste envoyer des communiqués puis on n'arrive pas à s'entendre sur le communiqué et la résolution, mais il y a des gens encore, si on voit les images, moi j'en regarde depuis deux semaines sur les réseaux sociaux, je veux dire, n'importe qui a un cœur, là, on serait tous dans la rue en train de dire « il faut que ça arrête ». Donc, se lancer des blâmes, ça ne réglera rien. Il faut qu'on soit ferme en condamnant ce qui se passe et qu'on pose des gestes parce que les frappes israéliennes causent énormément d'impact, beaucoup plus que de l'autre côté. Donc là, il faut que quelqu'un arrête et après ça, il faut que les esprits se calment et qu'il y ait des discussions. Sinon, je ne vois pas d'autre solution possible. Est-ce que... Mme Ghazal, vous n'êtes quand même pas découragée de voir qu'on revient à la même chose. Là, on revient. Ça faisait un bout de temps que ça n'avait pas été aussi violent, mais quand même. Je le disais à M. Lévy, parce que le statu quo amène les mêmes problèmes. Là. On n'est pas arrivé à dénouer
Et l'État d'Israël a pris sa place, là, et le plus de place possible. Et de l'autre côté, les Palestiniens n'ont jamais réussi à chasser les éléments plus terroristes. Alors, vous n'êtes pas découragé de voir ce cercle vicieux? C'est sûr que les gens qui regardent ça, ils disent, mon Dieu, ça dure, ça dure, ça dure. Et à un moment donné, il ne faut jamais dire, bien, c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Ça fait 73 ans. Moi, ma grand-mère, elle a 89 ans. Elle habite ici depuis quelques années. Et elle avait 16 ans en 1948 quand elle a été expulsée. Elle a vécu au Liban. Elle a vécu toute la guerre. Donc, c'est une survivante qui est ici et la mémoire vive de cette histoire-là. Et c'est sûr que c'est décourageant. Si quelqu'un avait une solution, on l'amènerait tout de suite. Ouais. Mais au-delà des solutions politiques, c'est vraiment ce drame humain. Il y a des actions qu'on peut poser, ne serait-ce que par humanité, pour que ça arrête. Et ça pourrait durer comme ça 100 ans si on continue à toujours faire les mêmes choses. Il y a une solution qui existe, comme je vous le disais, d'imposer des sanctions. Il faut que ce soit Israël parce que c'est eux qui sont la force, c'est une des armées les plus puissantes du monde. Ça, c'est un fait. Et pour qu'après ça, il y ait des discussions. Mais moi, je ne suis pas une experte. Non, non, moi, je comprends. Suis une citoyenne, d'ailleurs, c'est pour comme ça les qu'on... gens qui nous écoutent. Je voulais avoir l'écho de quelqu'un, ouais, citoyenne québécoise d'origine palestinienne. Et je suis content que vous m'ayez parlé de votre grand-mère qui voit tout, ouais, ça. On lui parlera un jour. Ça doit... C'est quelque chose. L'histoire de ce pays-là, de ce coin du Proche-Orient, c'est qu'il y a quelque chose d'hallucinant parce qu'on revient toujours à la même chose. Rouba Ghazal, merci beaucoup, député de Mercier de Québec solidaire. Vous avez une grosse fin de semaine, vous? Vous allez peut-être changer de chef ou de porte-parole, où on va parler de ça au panel politique dans une seconde. Merci beaucoup. J'écouterai. Merci, merci, au revoir.